Coucou Sandrine, coucou Céline. J'avais pas vu qui était arrivé. Coucou Brigitte. Comment vous allez bien? Coucou Thomas. Tu vois? Je ne t'ai pas répondu, t'as qu'à aller chercher les infos, Thomas. D'abord. Ouais, c'est bon. Je regarde, on me voit bien là-dessus. Comment vous allez bien tous? Pour un vendredi soir, c'est rare, hein? Que je laisse mon chéri en bas, tout seul, quand même malheureux, pour un vendredi soir. Alors, hop là, ta 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 ta, je baisse le son. Oui, ça va, j'ai fait beaucoup de cuisine. J'ai fait du couscous, parce que j'ai des invités demain, de la mousse au chocolat et des madeleines. Voilà, et bien, hein? Coucou Totti Verratti. Bonsoir, bonsoir. Je vais très très bien, moi. J'ai la pêche. Alors, j'ai pas mis de musique. Et si j'en mets là? Ouais, je sais pas. Coucou Matou, comment tu vas? Ça vient un bail, ma chérie? Oui, bah c'est. J'ai jamais fait le vendredi soir. Il me semble. Non. En général, je le fais en semaine, ouais. Donc, ouais, bah, c'est tombé comme ça. Hein. Et la semaine prochaine, je suis avec des personnes. En vrai. Non, je dis n'importe quoi, c'est jeudi. C'est rare le vendredi, ouais, c'est rare. Alors. Miam, bah écoute, je te dirai ça quand on aura goûté. Mais bon, la mousse au chocolat, oui. Un petit peu trop épaisse, enfin, trop. Pas assez aérée. Coucou Régine. Donc normalement, nous sommes 41 ce soir. Normalement. Coucou Yannick, je t'avais pas vu arriver. J'ai vu ton épouse, mais je t'ai pas vu toi. Alors, tac-tac. Bon, pas trop froid tout le monde. Coucou Mata. Je t'ai pas vu non plus. Il y a des choses qui sautent. Coucou Jennifer. Jennifer. Coucou Laurence. Non, j'ai jamais fait le vendredi. Oui, bah ça va. Je me croyais toute seule. Je me croyais toute seule. Je chantais, je me croyais toute seule. Ah, il y a des coupures. Crotte. Crotte, crotte. C'est vrai? Oui, plein de peps. Bah, il faut mieux, hein. Je vais pas faire un live en disant, alors, vous allez bien? Non. J'ai la frite. Hein. J'ai la frite. Beaucoup de peps, oui. Bah écoute, les coupures, ma chérie, je sais pas. Normalement, moi j'ai du bon. Il me dit que j'ai 29 bits là, kbits. Donc normalement. Ah bah écoute, ma tata, tu verras bien. Surprise, surprise. Coucou ma coco. C'est vrai que j'ai souvent la pêche, ouais. Bon, de toute façon, si un jour je vais pas bien, je vais pas vous le dire, hein, franchement. Ça servira à quoi? Ça ferait pas avancer le schmilblick. Coucou Kaliani. Ah bon, il y a des coupures? En crotte, hein. Crotte, crotte. Bah, ça vient de votre internet, hein. Coucou Saïda. Bon, normalement, j'ai pas de coupure, hein. Ah, il me dit que mon IPS est trop bas, mais comme je ne sais pas ce que c'est, l'IPS, la fréquence d'image actuelle est trop basse, veuillez configurer la fréquence. Bah oui, bah, je capte rien, moi, là-dedans. Bon, ça coupe pas complètement. Donc, ah mince. Ah. Oh non. Ah non, je veux pas de coupure, moi. Hein. Mais je suis passée directement, je suis pas, bah si, pourtant je suis en filaire, donc normalement. Coucou Séverine. Ah bon? Ouais, alors ils font ça maintenant, ouais, Facebook là.
Ouais, on va dire ça, Toti, c'est ton réseau qui déconne. C'est pas le mien. Oui, bah ça va le faire, hein. Mais sinon, vous revenez à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vu souvent qu'il y a des sous-titrages comme ça. Oui, ça va le faire, Toti. On verra bien. Tout ce que je dis est écrit, il ne faut pas que je dise de bêtises alors. Ouais, mais des fois, il c'est pas. Comment dirais-je? La transcription n'est pas tout à fait correcte. Coucou Sophie! En attente de signal vidéo. Ah, bah écoutez. Bon, ça va faire des petites pauses et puis c'est tout, hein. On boit un petit café en attendant. Petit café? Un petit café? Pour avoir la pêche. Alors, on attend un petit peu. Vous êtes combien là? 18. On peut aller loin, hein. Alors, tac, tac, tac. Tac, tac, café. Sans goutte dedans, hein, Toti, hein. D'accord? Alors, je suis toujours à 18, c'est bizarre, parce que j'ai vu des personnes arriver. Coucou, Carrie. Santé, ouais, mais pas des pieds. Elle est bonne, celle-là. Alors, ouais, ça doit être bloqué parce que je suis toujours à 18. Coucou Sylvain. Oh, j'ai des cœurs. Là, je vois des cœurs. C'est cool. Coucou Colette. Bon, blague à part, il y en a qui vont se faire disputer ce soir, hein, je vous le dis. Hein, parce que je me suis connectée quand même cet après-midi pour être prête pour ce soir, pour certaines qui m'avaient posé des questions. Il y en a qui vont se faire disputer. Enfin, disputer. C'est pas disputer, c'est plutôt des conseils. C'est plutôt des conseils. Alors, à 20, il en faut encore 20 si on veut tout le monde. Saïda, joueur de foot, ça? De quoi? Qu'est-ce qui est joueur de foot? Toti? Coucou Amélie, elle est là. Alors Sylvain, t'es reviendu? T'as passé un bon moment avec Maude? Vous vous étiez donné rendez-vous alors? C'est cool ça. Alors, Totti Verratti, c'est un footeux? J'y connais rien moi. Coucou Marjo. 22. 22. Alors, on attend un peu. On attend que tout le monde soit là. Alors, si vous avez les coupures, c'est peut-être parce qu'il me dit que mon IPS est trop bas. Mais comme j'y connais rien, on va faire comme si que tout allait bien. D'accord? D'accord, Totti Verratti est un joueur de foot. Donc, Totti est un garçon. Coucou, Séverine. Jennifer, coucou. Il n'y en a qu'un au PSG, Totti, après sa retraite, à ce moment-là. Moi, j'y connais rien au foot. Hein. Je regarde le foot quand c'est le... Coucou, Mireille. Quand c'est le mondial, mais sinon, je regarde pas. Ah, c'est génial, Sylvain. Petit elfe vert, t'avais même ton bonnet qui était vert, c'est bien. Enfin, bleu vert. Bravo. Bon, enfin, que tu viennes sur la région nantaise, alors dans le vignoble nantais. Hein. Peut être sympa, ça. Coucou, Tala. 25. Bon, j'espère que vous allez passer un bon week-end, que vous allez profiter du beau temps, froid, sec, pour aller vous promener dans la nature. J'espère que vous allez le faire. En tout cas, moi, je le fais dimanche. Coucou Laurence. Contact. Attends. De mon grand-père. Tu mettras la photo, Lolo? Alors, mon ex était un fan. On a pris un chat ensemble et il l'a appelé Toti. D'accord. C'est pour ça que tu sais que tu es un joueur de football alors. Alors, ouais, alors pour les questions, si je ne les vois pas passer, vous les répétez. Parce que comme il y a des commentaires qui vont aller vite, d'accord? 29, c'est bien, tu fais. Alors moi j'ai 28, Sandrine. On va attendre un petit peu.
Oui, rando ce week-end, très bien Céline. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Tu vois, j'ai une réponse pour toi. Avec un animal, il me faudrait sa photo et comment dirais-je? Et son prénom. Enfin, c'est tout type, peut-être, j'en sais rien. Ouais, alors, coucou Aline. Et c'est cool pour ce vendredi, merci. Ah bah super. Salut Clo-Clo. Moi j'ai 28, hein. J'ai un bug de mon côté alors. Mais c'est pas grave. Je vais attendre un petit peu, puis après on va. Comment dirais-je? Je vais commencer les réponses et après me connecter. Et puis je voudrais aussi, j'ai vu un truc, ça m'a fait vraiment très très mal aux infos là. Des éléphants en Inde, au Sri Lanka, qui vont aller manger dans les décharges. Et ils meurent parce qu'ils mangent des sacs plastiques et tout ça. Et tout ça, c'est à cause de l'homme. Et ça m'a fait vraiment mal. Et je me suis dit qu'on est vraiment. L'être humain est vraiment. Enfin bref. Et j'aimerais bien qu'on envoie une belle vibration d'amour pour ces éléphants. Même pour ces gens qui habitent là-bas, pour qu'ils évitent d'être malheureux, en peine. Alors, il fait ta coucou, Stéphanie, coucou. Bah, c'est bien, vous faites le calcul. Moi, j'ai toujours 29, mais bon, c'est pas grave. J'ai vu, Céline, ta question. J'ai vu. Et j'ai eu la réponse. C'est chiant, ces lunettes, là. Hein, ou alors, faut que je me décale. Et je pourrais pas enlever mes lunettes parce que si je les enlève, je vois plus rien. Donc c'est un peu embêtant. Faut que je sois comment? Non, bah je sais pas comment faire. C'est vraiment embêtant. Et si je fais ça, bah vous me voyez plus. Ouais, bah écoutez, je sais pas comment faire. Bah c'est pas grave, hein. On fait comme si que, hein. Coucou Colette, coucou Isabelle. Alors, bon c'est bien ce que je regarde avec le portable et. Saïda m'a envoyé la photo. Alors, il y a deux toutous, faut que tu me dises lequel. D'accord. Pom-pom, girl. Je te garantis pas du tout, hein. Je l'ai fait sur une personne l'autre fois avec son chien. Voilà, j'essaierai, je te garantis rien. Ok? Alors, pom-pom. Alors. C'est embêtant de meubler, hein, comme ça, hein. Alors, je regarde si j'ai bien. Bravo, Sylvain. Petite elfe, il a marché 3 heures. Non, Séverine. Tu pensais que la question était sur Messenger. Mais bien sûr. Style. J'ai ta réponse. J'ai ta réponse. Alors, comment ça se déroule? Eh bien, tu me poses une question simple, direct, et tu me donneras ta date de naissance, c'est tout. Voilà, Toti. Donc Toti est un garçon, hein, c'est ça? Avec vos pseudos, là, moi je sais plus qui est qui. Enfin, si, j'en connais beaucoup, mais ouais, c'est vraiment dégoûtant ce qui se passe là-bas. Comment tu vas, Ifeta? Mais non, t'es pas en retard, ma chérie. Oui, n'est-ce pas? Avec des meumeux. J'ai pas pris ma tasse de chat. J'ai pris des meumeux. Oui, exactement, ma Céline, t'as tout à fait compris. Alors, Sandrine, encore évoluer professionnellement à l'endroit où je suis. Alors, attends, faut que je note. 14 février 79. Je note. 14 février 79. Évolution pro. On va voir. Alors, je regarde. On va commencer 28, il n'y a pas beaucoup, mais j'ai envoyé. Ouais, j'ai vu ma puce. La photo de pom-pom. Ouais. Alors. Ah bah je suis désolée, sous-titrage. C'est pas moi qui ai mis ça, hein. C'est pas moi qui l'ai mis. Ben, vous le regardez pas. Alors.
Alors, ma Sylvie, ah. Sylvie, ma chérie, comment te dire? Je t'ai répondu. Ce soir, c'est message invisible, mais c'est pas le jeu des sept familles. Alors, est-ce que les signes là-haut, des petits détails de ma vie? Alors, quel gagne? Ah, tu me poses la question, mais tu as déjà la réponse, hein, ma Cariani. Alors, attends. 24. Tu vois, ça va vite. Hein. Laurence Boquet. On prêt pour la maison. 23-12. Oh! Attends. 23-10-72. Et donc, c'est le prêt immobilier. D'accord. Alors, Jennifer. Jennifer. Reste. Ouais, ça va trop vite, je peux plus les compter là. Jennifer, est-ce que je vais rester au sein de ma structure? Structure. Oh là 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 là. Alors, 9,480. Ça commence à chauffer là-haut. La photo MP. Bah écoute, j'irai voir Tutti. Pour l'instant, j'ai rien reçu, hein. Sinon, je l'aurais vu. Bah, je verrai, Thomas. Alors. Yannick. Janvier. Oh, bah joyeux anniversaire, Yannick. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Niveau spirituel. Entendre les guides. Alors. Tac, tac, tac. Ah, j'ai reçu un truc. Ah oui, ça c'est Lolo. Bon, allez, je me connecte. Enfin, je me connecte. Je réponds aux questions. D'accord? 31 personnes. Alors. Si je ne vois pas vos questions, vous les reposez. D'accord? Lolo, Laurence, Bernard, tu me relanceras si je ne te réponds pas. D'accord? Alors. Oula. J'ai de la visite. Ah, j'adore quand ils arrivent comme ça. Je vais commencer par Corinne Gauthier. Bon, je t'ai envoyé un petit mantra cet après-midi. Pourquoi? Parce que j'ai entendu. Elle ne croit pas en elle, ou plus en elle, mais j'ai eu un pas en elle. Tu crois plus en toi, en fin de compte. Elle doit bouger, communiquer, plus, plus, plus. Se remettre à la nature. J'entends, elle est bloquée par son passé, d'où le mantra que je t'ai envoyé. Elle doit lâcher le passé. Pardonner, se pardonner. Et là, je vois, j'ai vu sur toi que tu avais une entrave qui te bloquait, comme si tu avais une entrave au niveau de la cheville. Et ça te bloque pour avancer. Malgré tout, il y a quelque chose qui va se débloquer incessamment. J'ai vu là dans l'année comment dirais-je, de 2022, là, vers le mois de mai, il y a quelque chose qui se débloque. D'accord? En tout cas, ça va se débloquer, malgré tout. D'accord? Je vais arrêter de dire d'accord. Hein. Alors, Séverine, ta belle-sœur ne pense même plus à toi, d'après ce que j'ai entendu. Elle est passée à autre chose et ça fait partie de la vie. Ne t'accroche pas au passé. Ça fait deux fois qu'on me dit ça. Hein. Ne en gros, pour tout le monde, ne vous accrochez pas au passé. D'accord? Donc elle, a priori, elle est passée à autre chose. Ma question, Séverine, est-ce que tu veux parler à ta belle-sœur par rapport à ton ex ou vraiment par rapport à ta belle-sœur? Parce que j'avais vraiment un flou par rapport à ça. Est-ce que tu veux avoir des nouvelles de ton ex ou il y a quelque chose par rapport à ton passé, toi aussi, qui te bloque? D'accord? Régine, ton papa. Alors, d'où la question, il est parti il y a peu. Parce qu'en fin de compte, je le sentais endormi. C'est pour ça que je t'ai demandé ça. Et effectivement, il est encore en soins, ton papa. Il se repose.
Alors, c'est pas lui hein, qui me disait ça. J'avais je sais pas qui, peut-être son guide. Il est encore en soin. Il se repose. D'ici peu, il se réveillera et te donnera de ses nouvelles. Il va bien. Ne t'en fais pas. Sois patiente. Il te reviendra afin de te passer le bonjour. Mais a priori, il était encore en soins, en hôpital cosmique. Alors, est-ce qu'il était gravement malade? Je sais pas. Ou peut-être qu'il veut pas se réveiller aussi. Peut-être qu'il va. Parce que quand on sort de l'hôpital cosmique, on doit regarder le film de sa vie. Peut-être qu'il a, il veut, il est peut-être pas encore prêt. J'ai pas eu plus d'infos par rapport à ça. D'accord? Alors, ensuite, Cindy, je l'ai pas vu arriver. Ben, c'est pas grave, je vais donner la réponse. Peut-être qu'elle est arrivée, je sais pas. Coucou Marie, qui vient d'arriver. Eh ben non, je vais entourer parce que je vais pas donner les réponses aux personnes qui sont pas là. Alors, donc, Sophie, cher enfant, alors là, ça a été vraiment, là, j'ai eu affaire à, j'ai eu l'impression moi-même d'être une petite enfant à ce moment-là. Lorsque tu arrêteras d'être et de travailler en dents de scie, tu pourras voir la vie plus jolie. Tu y crois? Tu n'y crois pas? Tu n'y crois plus. La vie est telle. Crois-tu que nous agissons de la sorte? Donc je pense que c'était vraiment au niveau des guides. Nous sommes toujours là. Mais comment veux-tu que l'on t'aide si toi-même tu n'y crois pas? Tu étais bien parti pourtant. Nous étions fiers de toi. Et là, tu baisses les bras. Garde le cap, s'il te plaît. D'accord? Et c'est vrai que j'ai vu que tu baissais de régime, comme si tout ça pour ça. Mais en fin de compte, non. Faut garder, même si ça vient pas, il faut garder. D'accord? Marjorie. Alors, comment dirais-je? Quand je me suis, alors je me suis connectée à l'âme, non pas par rapport à la photo parce que ça me troublait. Donc je me suis connectée à l'âme de ton bébé et j'ai entendu. Je ne suis pas prête à tout dévoiler. Et alors ce que je voyais faire. Ouais, l'âme, elle faisait des allers-retours. C'était phénoménal. Avec l'astral, avec son guide. Elle se prépare. Voilà. J'avais le mot secret. Rien n'est figé encore. Rien n'est établi encore définitivement. Elle ne le sait même pas elle-même encore. D'accord? C'est comme si elle faisait des ajustements par rapport à son incarnation. Tout ce que je sais sera ma mission sur votre terre. Je dois m'armer de patience. Voilà, je dois m'armer de patience. Voilà, elle doit s'armer de patience par rapport à sa mission sur terre. Ça va pas être facile pour elle, a priori. Voilà ce que j'ai eu comme info. Annie, énergie du cœur. Alors Geneviève. Ah, ne me pleurez pas, ne me pleurez plus. Elle me parle de chat. Est-ce que c'est son chat? En gros, comme si qui s'occupe de mon chat? Alors je sais pas. J'avais une angoisse par rapport à elle, enfin une angoisse. Qui s'occupe de son chat? Mais je sais pas du tout. Vous dites, elle est partie trop tôt. Oui, sur le coup, je me disais cela. Mais à ce jour, je revis, respire, je suis libre. Je peux voir toute la tristesse de cette planète. Et pourtant, chacun de vous doit garder le positif en lui et le transmettre à l'autre. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Je le vois. Alors, et je l'ai vue vêtue de blanc. Geneviève, elle est habillée en blanc. Vraiment de la pureté. Alors, elle accompagne les mourants. A priori, parce qu'elle m'a montré, je m'adresse à vous, les incarnés. Oui, je parle déjà comme mes énergies voisines. Soyez conscients de la chance que vous avez d'être sur cette terre, cette planète si lumineuse. Et pourtant, voyez les arbres, la nature, comme votre alliée et non ennemie. Elle est là. Vous avez besoin d'elle, plus qu'elle de vous. Je vais bien. Alors là, chapeau. Le signe que j'ai eu de, comment dirais-je, de Geneviève,
Elle est gradée, hein, comme on dit, hein. Donc je ne sais pas ce que ça. Est-ce que ça vous cause tout ça? Je ne sais pas. Je ne regarde pas les messages. Alors. C'est qui Yann, Sandrine? Alors. Alors, je regarde. Bon, bah, c'est bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Très bien, Sophie. Alors. Ça bug, bah, je suis désolée. D'accord, donc elle avait bien des chats. D'accord. Peut-être que ça lui manque alors, Annie. Hein. Peut-être ça. Coucou, Hélène. Bah, ouais, laisse-la un petit peu tranquille alors, dans ce cas-là. Ouais, d'accord, Marjo. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'il est encore couché. Enfin, couché. Encore en hôpital cosmique, Régine, ton papa. Bon bah super Annie. Coucou Lily. Coucou Christine. Attends, je vais voir. Alors, gna. Amélie, Maria Joséphine. Alors, j'ai eu du mal à rentrer en contact avec elle et à un moment donné, elle m'a montré. Je danse tout le temps, je me promène. Pour l'instant, je profite et ne veux pas me réincarner de suite. Alors, j'aide les enfants. Alors, j'ai entendu les Balkans. Pas les balcons, hein, les Balkans. Et elle me montre aussi des Roumains. Et elle me dit, j'aide les enfants qui n'ont pas la chance d'être heureux. Je les soulage par mes mots. Je leur donne la force. Et elle me montre des feux, vous savez, comme dans des feux dans les poubelles. Puis tout le monde se réchauffe, se met devant. C'est bizarre, elle me montrait ça. C'était pas joie, ça. Hein. Pour se réchauffer, puis elle m'a montré des taudis, des sacs poubelles pour se protéger du froid. Alors voilà, elle, a priori elle s'occupe de ça. D'accord? Les Balkans, c'est ton origine? Wow! Et ben donc, oh là là, j'ai plein de frissons. Oh génial! Ben voilà, donc elle s'occupe de ces enfants-là. Oh, c'est génial! C'était quoi son nom de famille alors? Parce que Maria Joséphine, c'est pas Balkan ça. Wow, c'est trop beau. Donc voilà pour Maria Joséphine. Oh, c'est trop génial. Bon bah voilà, elle s'occupe de ces enfants-là. C'est trop top. Tu vois, j'ai bien fait de continuer à vous connecter. C'est son histoire. Wow. Trop chouette. Alors, bon, je vais continuer parce que sinon je vais avoir un. Un melon. Non, c'est trop beau. Parce que vraiment, c'était ça, quoi. Parce que quand tu vois la photo. Ouais, mais Gara, ça ne dit rien, remarque. Pourquoi je lui demande ça? Et les Balkans, c'est pas italien. Si? Enfin, bref. En tout cas, voilà l'info. Colette, Servet. On t'a montré à moi à monter dans un train. Non pas un train sur une voie de chemin de fer, mais un train. Comme si dans ta société, dans l'entreprise dans laquelle tu es, il y avait ce qu'on appelle, je sais plus comment on appelle ça là, les wagons. Tu sais, ils forment, je t'en prie Amélie, ils font des départs, voilà. Mais j'ai oublié le terme. En tout cas, on m'a montré un train et tu prends ce train, tu montes dans ce train et on me parle d'une retraite anticipée, comme si en fin de compte tu n'allais pas rester. Comment dirais-je, où tu es, d'accord? Et j'entends ouf ouf et une nouvelle vie pour toi. Voilà, donc c'est plutôt bon signe. Alors, Céline, Simon, alors je vois un blocage au niveau spirituel, mais de par ta faute, ma chérie. Alors, tu fais pas exprès, mais de par ta faute, mais plutôt de ton environnement.
ta vibration est en baisse et on te demande de te ressaisir et de plus t'ancrer, de te protéger. Et on me dit de te dire attention à un rhume ou une grippe. Je parle pas de Covid, hein. Rhume ou grippe. Et a priori, il y a des gens autour de toi qui te font baisser tes vibrations. D'accord? Mais c'est pas perdu, hein. Il y a aussi peut-être que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines fois, on nous met au repos aussi, exprès, pour, comment dirais-je, pour nous ressourcer plus tard, par rapport à notre évolution professionnelle. Des fois, on peut ne pas capter, ne pas recevoir de messages pendant X temps, parce que là-haut, ils nous mettent, je t'en prie Colette, ils nous mettent au repos exprès, d'accord? Ah d'accord, bah donc, ok. Alors c'est peut-être pour ça, d'accord? Il va falloir remonter, ok? Remonter ta vibration. Mais si oui, tu as eu le Covid, donc automatiquement, comme ça. Mais il y a aussi ton environnement. Tu as peut-être des gens qui sont peut-être pas assez positifs autour de toi. D'accord? Alors. Alors, Laurence Boquet. Alors, attends. Primo. 1, 2, 3, 5, 6. Attends, je vais mettre là. Alors, Laurence, on me parle d'un papier qu'il manque pour ton prêt. On parle d'assurance. Je vois pas le rapport avec le... L'assurance, un papier. Papier, c'est pas l'assurance. Ou alors, tu prends pas l'assurance de la banque, mais une autre assurance, il manque ça pour concrétiser le prêt. On me montre de là, comme si tu avais un apport aussi perso. Ah voilà, c'est ça, ok. Il y a ton apport perso, ce qu'on montre le sigle du notaire, une vente, mais c'est ça qui manque pour ton prêt, Laurence. Mais j'ai quand même de la signature pour toi, donc c'est plutôt bon. J'ai une association, tu vois. Mais on me parle de ce papier avec le logo, le sigle du notaire, comme si... ouais, puis on montre de l'argent qui arrive pour un apport personnel par rapport au prêt. Il y a voilà, un petit blocage par rapport à un manque de papier ou l'assurance, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bon. Pour toi, c'est bon. D'accord? Ah, alors on me dit, tu n'auras peut-être pas le taux. On fait 0, quelque chose. Ouais, ça ne va pas jouer énorme. D'accord? Pour le taux du prêt. Ok? Et je rachète la maison. D'accord, mais... Alors, c'est quoi ton apport, alors? Ah, t'es déjà dans la maison, donc t'as déjà ta part dans ta maison, alors c'est ça? Voilà, on dit qu'il y a un papier et on parle du sigle de la, du notaire. Je t'en prie. C'est quoi cette assurance aussi, là? T'as pris une autre assurance, c'est ça? En fin de compte, j'ai plusieurs choses pour toi. J'ai l'assurance. Ben, c'est ça ton apport, Marc, si tu es déjà dedans. Ok. Et alors, par rapport au prêt, voilà, 0, quelque chose. Ça ne va peut-être pas être tout à fait le prêt que tu veux. D'accord? Enfin, le taux, mais ça ne va pas jouer à beaucoup. Mais en tout cas, pour moi, c'est bon. Et j'entends que fin d'année, enfin vers le mois d'août, et après, tu auras une année de plaisir. D'accord? Ben, si tu te retrouves dans cette maison, ta maison, ça peut être sympa. Voilà pour toi, Laurence. Alors, Jennifer. Jennifer. Oh, oh, oh. Alors.
Alors, attends, c'est laquelle de Jennifer? Que je dise pas de bêtises. Love. Ouais, c'est ça. Love. Que je dise pas de bêtises. Ah, bah, faudrait peut-être que tu fasses ton assurance alors. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui va manquer. Je t'invite à ne pas prendre l'assurance de la banque, hein, d'accord? C'est pas obligatoire. Et ça sera moins cher. 9 avril. Alors, tu veux rester dans la structure dans laquelle tu es? Elle est où ma Jennifer là? Non mais c'était bon ma Sophie, j'ai eu les réponses. Alors, attends. Voilà. On montre des enfants, Jennifer. Déjà, on montre des enfants. Alors, est-ce que tu vas rester? 9 et 4, 13, 19. Oh, bah dis donc, tu rentres dans une belle année, toi. Une année de démarrage. Bravo. Pourquoi on montre des enfants, Jennifer? Tu travailles en MAM ou quelque chose comme ça, non? Tu m'envoies des cœurs, c'est pourquoi? Ouais, tu rentres dans une année 1, donc c'est plutôt bon pour toi. Ouais, c'est quoi ces enfants? Jen, tu me donnes une info? Ouais, puis je vois des enfants. Je vois des enfants. Je sais pas pourquoi. Mais a priori, oui. C'est bizarre qu'on me montre comme un grade. Trop bien. En médiathèque. Ah bah oui, donc. Ah ouais, je voyais pas ça du tout, tu vois, médiathèque. Mais je voyais des enfants. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent peut-être? Mais j'ai comme un grade pour toi. Comme si. Est-ce que c'est un CDD qui se transforme en CDI, Jennifer? Parce que j'ai comme un grade. Tu me diras ça, d'accord? Ah bah voilà, sur un secteur jeunesse. Bah c'est pour ça là, d'accord. Tu peux me donner, me dire par rapport à ton CDD, CDI, parce que je vois un grade pour toi. J'entends aussi que tu es bourré d'idées, toi. Tu as plein d'idées. D'accord. Et possibilité de CDI, parce que j'ai quelque chose pour toi de bon. Ouais, tu me diras ça. Ouais, on me dit que tu as plein d'idées que. Tu as des idées pour innover des choses. Voilà. Alors, maintenant les jeunes, vous voulez plus de CDI. Vous voulez plus, maintenant c'est les CDD qui sont demandés. Alors, au fait, Amélie, donc j'ai ma voisine qui m'a dit qu'elle avait pris rendez-vous avec toi. Donc je suis contente pour elle. Alors. Ouais, Sylvie, il faudrait que tu me reposes la question. Faut que tu choisisses qui. Les deux futures mamies sont là, ouais. Alors. Carrie. Carrie, Carrie, Carrie. Juillet. Alors, et c'est quoi nouveau projet? Bon, il y a du changement chez toi là, Carrie. On te montre à moi à déménager ou à bouger. Tu bouges. C'est quoi ça? Tu bouges, Carrie.
Je t'en prie, Jennifer. Alors, qu'arrive où tu me dises que on te montre à moi à bouger. Et on te montre à moi à tourner les pages comme ça. C'est quoi ça? Comme un bloc, tu notes comme un bloc. T'écris un livre ou quelque chose comme ça? On te montre à moi à retourner des feuilles comme ça. T'écris, tu retournes des feuilles et je te vois bouger comme si tu déménageais. Voilà, j'ai plein de frissons pour toi, Carrie. Bon, il y a du déménagement. Il y a du déménagement. En tout cas, il y a du mouvement chez toi, Carrie. On parle de clics, des claques. Tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas te mettre en colère sur quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ce bloc que tu écris là? Où tu te notes des choses à ne pas oublier peut-être? C'est ta mémoire, tu notes pour ne pas oublier. Parce que je te vois en plus souligner des choses importantes pour toi. Où tu reçois des messages, je ne sais pas. Vos projets. On me dit que ton projet, ça ne sera pas pour 2022. Plutôt 2023, le projet. C'est quoi ça? On monte comme si tu faisais construire, tu sais. Ouais, bizarre. Comme si tu faisais construire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je note des affirmations. Bravo, ça c'est bien. C'est quoi ça? On me montre. Ouais, j'ai des plans de quelque chose ou t'achètes quelque chose, j'ai des plans. Mais on me dit qu'il faudra que tu attendes un petit peu pour ton projet. Plutôt ouais, vers début 2023, peut-être. En plus, début 2023, tu seras en année 6. Et le 6, c'est projet. Mais là, comme si tu bougeais, c'est quoi ce truc-là? Tu bouges. Bon, j'attends que tu me renseignes parce que on te montre à moi à bouger, à déménager. C'est bizarre, hein? Alors, Toti, tu m'as envoyé quelque chose? Alors, non, Toti, j'ai rien reçu, hein. Laurence, tu me diras, c'est qui le monsieur? C'est ton grand-père, c'est ça, Laurence Bernard? Je vois les questions, Sandrine. Hein. Alors, Jean. J'ai pas la photo, Toti. J'ai pas reçu de MP. Alors, petit Jeunet. Oh, ça chante, Laurence, là. Le 11 octobre. Il chante, petit Jean. Ça chante, ça chante. Non, c'est pas un signe. Je sais pas. Puis là, je peux pas le voir. Il chante, le petit Jean. Attends. J'ai pas de, comment dirais-je, Toti, je n'ai pas reçu. Alors attends, faut que j'aille sur Messenger. Non, j'ai pas. Mais est-ce qu'on est amis déjà? Il y a peut-être ça. Alors, allez, ça fait la fête là, petit Jean là. Ça fait la fête. Hein.
Et ça chante. Ça fait oh, comme ça. Donc Toti, il faut que tu m'envoies la photo. Alors attends, faut que je me retourne sur mon groupe. D'accord, ok. J'ai reçu la photo de Céline pour Toti. Alors attends, je reste sur Petit Jean. Pourquoi je l'appelle Petit Jean d'ailleurs? Coco Cindy. Laurence, est-ce que tu es là encore? Ils chantent et puis ils se font comme ça là. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Attends. Alors, il me parle de Charles de Gaulle, du général Charles de Gaulle. Oh, alors pourquoi il me parle de politique? C'est quoi ça? Laurence Bernard, est-ce que tu es encore là, ma chérie? Il me parle de politique. Et il me dit, je vous regarde. Il se moque de nous. Il se moque des Français. Enfin, pas de nous, des hommes politiques. Il se moque des hommes politiques. Il me dit, tu es bien calme en parlant de toi. Pourquoi il dit ça, hein? Est-ce qu'il t'a connu ce papy-là, Lolo? Alors, oui à quoi? Oui, t'es là, d'accord. Coucou Maria. Lolo, est-ce qu'il était. Donc il me parle de Charles de Gaulle, politique, et il chante et il danse, d'accord? Il me dit que tu es bien calme. Est-ce qu'il t'a connue petite? Est-ce que petite t'étais plutôt tac-tac et puis que maintenant t'es plus calme? Alors oui, mais oui à quoi ma chérie? Je t'ai posé plein de questions. Alors, il fait la fête, il se moque des hommes politiques. Dis donc. Il me dit, vous êtes mal loti. D'accord, ok. Donc tu es moins maintenant. Tu es plus calme, c'est normal, tu as vieilli. Il faisait de la politique, ce papy-là? Vous êtes mal loti, qu'il me dit. Et il me parle du général Charles de Gaulle. Du général de Gaulle. Mais dis-lui, c'était un homme. C'était un gaulliste, ton papy-là? Alors il me dit que tu as une belle maison. Et que tu as très bon goût. Bravo. Ah bah là il débat encore, hein, je veux dire, on est mal barré. Hein. Mais est-ce que c'est un gaulliste, tu le sais ou pas? Parce que vraiment, il vénère le général de Gaulle. Ouais, et puis a priori, il était assez raciste. Mais il était pas, pourtant, de Gaulle, il n'était pas extrême droite, lui. J'en sais rien, Marc, j'y connais rien à la politique. Alors, il me montre un journal, Le Parisien. Non, Le Canard Enchaîné. Dit. Canard enchaîné, c'était pas aussi vieux que ça.
Ah oui, donc il aimait bien la politique alors quand même, hein. Alors, qu'est-ce qui me parle de tes parterres dans le jardin? Il me montre un jardin à toi. Il ne me parle pas de la guerre. Il me parle d'après. Bon, en tout cas, après, parce que s'il me parle de politique et Général de Gaulle, c'est si vieux que ça. Oh, j'en sais rien. Il me paume un petit peu, papy, là. Il me parle de tes parterres de jardin. Il me parle de galets blancs. Et ça le fait sourire. Bizarre. Ça y est, il est parti. Alors, il est parti. S'il a fait la guerre, je pense pas qu'il ait fait la guerre. Je pense pas. Comment dirais-je? Il avait un petit souci par rapport à ça. Mais en tout cas, il était vraiment. D'après ce qu'il montre, c'est qu'il était vraiment comme s'il faisait partie d'un truc politique. C'est bizarre quand même. Tout le linge de mon spa. Tout le linge de mon spa. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Salut Pat. Alors, je passe à Toti. Toti. Sacré caractère, hein? Ouh là là. J'ai soupe au lait, moi, pour ce monsieur-là. Car qu'il pouvait s'énerver, mais il était super gentil. Mais par contre, quand il t'avait dans le collimateur, fallait filer droit. Pourquoi je le vois en camion, Toti? Il était routier ou pas? Je le vois en camion. Que je le vois à hauteur par rapport à la route. Ah, puis je le vois, ouais, conduire, je sais pas. Toti, tu peux me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire, toi, Jean-Luc? Il a eu du mal à monter dans la lumière. Ouais, il a eu du mal. C'est comme s'il n'était pas préparé. Comme si c'était comment dirais-je? Ben, il n'était pas prêt à partir. Il avait quelque chose. D'accord, c'est pour ça qu'il était en camion. D'accord. Il est pas prêt, il n'était pas prêt de partir. Est-ce que c'est une crise cardiaque ou un truc choquant? C'est comme s'il avait refusé de partir. Ou est-ce qu'il a été réanimé? Tu peux me dire, Toti? Il a fini par accepter après pour monter dans la lumière. Mais c'est comme s'il était resté, pas une âme errante, mais comme s'il était. Comment dirais-je? Il ne s'est pas vu mort tout de suite. D'accord. Ok. C'est pour ça que ça a été un choc, ça a été rapide. D'accord. Enfin, il n'était pas prêt, quoi, du jour au lendemain. Et en fin de compte, il est resté entre deux vies, entre deux mondes, momentanément, parce que pour lui, il n'était pas mort. Ça a été soudain. Et à un moment donné,
Mais pas tout de suite, hein. Il est allé vers la lumière. D'accord, c'est pour ça. Ok. Il a fait ça, parce qu'il me montrait qu'il avait fait ça comme ça. Mais il n'était pas prêt à partir. Il me dit qu'il faut laisser le passé au passé. Il n'est pas loin de vous, hein. Pas que de toi en tout cas. Il n'est pas loin. Il me dit qu'il faut garder des bons souvenirs de lui. Il me montre un petit camion. Vous lui avez mis un petit camion dans son cercueil ou quelque chose comme ça? Je verrai ma patou. Ce qu'il me montre un petit camion. Ou alors c'est sur sa tombe, il y a un petit camion. Ouais, ben non, il ne croyait pas à tout ça, ça c'est sûr. Hein. Il était très cartésien. Hein. Heureusement que tu t'es ouvert, toi. Coucou Géraldine. Alors, il me dit qu'il faut garder des bons souvenirs de moi et laisser le passé au passé. Maintenant, il est sur un autre plan. Mais j'ai toujours, il dit, j'ai toujours un œil sur mes enfants. J'ai toujours un œil sur mes enfants. Pas mal. Il me fait un jeu de mots. Même à distance, j'ai un œil sur mes enfants. D'accord, ok. Un camion. Ok. Il va bien, hein? D'accord? Il me dira sur mes enfants, je vais bien. Il a toujours un œil sur vous. Il va monter encore de strates au niveau vibrationnel. Oh, il m'envoie plein de vibrations. Donc là, il m'envoie plein, plein d'amour pour vous. D'accord? Oh ben, il t'entend. Pas de souci, il t'entend. Alors, ça se disait pas ça. Hein? On t'aime, hein? On s'aime. D'accord? Entre nous. D'accord? Ça se disait pas a priori entre vous, mais là maintenant ça le dit. Et il me dit, il faut que vous le disiez entre vous aussi. Donc il va bien, ton papa. D'accord? Je t'en prie. Alors, attends, faut que je remonte. Je fais pas encore pom-pom, hein, je le ferai après. Alors. Je comprends pas, Séverine, tu me dis. Y a-t-il un petit message de ma grand-mère Raymond, née le 1er août 1912, je crois. Ah, pour l'année, d'accord. C'est bon, j'ai compris la question. C'est-à-dire Daniel? Je vais l'appeler Tati Daniel, Raymonde. C'est une coquine celle-là, cette mamie-là. C'est une coquine cette mamie. Elle fait des farces. Je la vois faire des farces. Elle me parle de Luciole. Alors, elle te fait des farces, a priori, si tu perds. Merci, Toti. Si tu perds des objets, c'est elle qui te fait ça. Mais après, tu les retrouves. Alors, pas pourquoi elle me parle de ça, c'était important pour elle. Elle me disait que. Elle faisait pipi sur elle et que c'était vraiment une très mauvaise période pour elle. Elle garde ça comme si, enfin, c'était pas une belle période. Elle n'a pas aimé. Elle a été malade, cette mamie?
Séverine? Alors, je viens de recevoir ta photo, Toti. Alors, Séverine, est-ce que tu es là? Ouais, alors Séverine, cette Tati Danielle là, elle me dit qu'elle te fait des farces et puis elle me parle d'un moment qu'elle aimait pas parce qu'elle faisait pipi. Comme si elle faisait pipi dans sa culotte, tu sais, puis que c'était pas une bonne période pour elle. Elle va très bien, cette mamie. Elle me dit, j'ai eu froid et maintenant ça va. Elle me dit, j'ai retrouvé ma maman. Oh, c'est beau. Elle est plus comme ça, mamie, hein. Elle est beaucoup plus jeune, ce que je vois là. Elle est partie. Je ne l'ai pas gardée longtemps. Bon, bah, tu me diras, Séverine. Alors, elle va bien, cette mamie. Coquine. Alors, donc Laurence, tu me donneras. Maintenant, Laurence, je t'ai fait, toi. Alors, attends, je vais remonter. Faut que je remonte. Saïda. Douze. 3, 4 et 1, 5 et 2, 7, 7 et 6, 13. Moi, je te vois partir, alors comme ça. Mais pas, tu restes pas où. Tu voulais reprendre la maison de ton papa, Saïda? C'est quoi ça? Et je te vois partir, moi, à l'étranger. Enfin, à l'étranger. Je te vois pas rester en ou dans ta région là. Par contre, je te vois. Il y a une histoire avec la maison de ton papa. C'est quoi ça? Papa, il veut te laisser la maison? Montre la maison de ton papa. Je sais même pas s'il a une maison de ton papa. Tu me diras. D'accord? Alors. Attends, faut que je note. Alors. Est-ce que je peux avoir. Bon, attends, faut que je retourne sur le groupe parce que je vois plus vos messages. Ah non, c'est ça que je veux. Un peu gauche là, madame, hein, ce soir. Hein. Un peu gauche là, madame. Alors, me voilà où? Tac et tac et tac. Alors. Bah, je t'ai répondu, Sophie. Hein. Je réponds qu'à une question. Ah, bah, c'est pour ça que je voyais la maison de ton papa, alors, Saïda. Donc, oui. Voilà. T'as la réponse. Alors. Ah oui, effectivement, il y a des coupures, vous avez raison. Et je vois le sous-titrage. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors. Je peux pas remonter. Bon, mince. Donc il faut reposer les questions. Je suis arrêtée à. Oh, crotte, 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 crotte. Attends, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Sandrine. Chevalier. Mais ça ne se fera pas tout de suite, Saïda. Hein? D'accord? Mais il se peut que ça soit pas aussi rapide que tu ne le souhaites. D'accord? Mais on m'a montré la maison de ton papa. Alors, Sandrine Chevalier. Sandrine Chevalier.
14 février. Alors, quatre, cinq et deux, sept. Sympa, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, ton anniversaire. 5 et 2, 7. 7 et 6, 13. Alors, Sandrine. Alors, ce qu'on me dit par rapport à ton évolution professionnelle, que ça va pas aller assez vite pour toi. Qu'on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Mais que tu vas obtenir gain de cause. Ouais, il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui veut te court-circuiter. Mais tu vas obtenir gain de cause. Mais ça ne va pas se faire tout de suite, hein. Enfin, peut-être que ça se fera dans le 2022, si tu veux, mais pas aussi rapidement que toi tu le voudrais. Moi, j'ai quelqu'un, on me montre quelqu'un qui veut te passer devant. Bizarre. Alors, peut-être que toi, tu sais. Alors, Kaliani, on me dit de te dire avance, 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 avance. Est-ce que tu comprends? Alors, qu'est-ce qui me dit je repose au cas où tu es perdu? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui me dit ça? Au cas où je serais perdu. Ben c'est vrai que j'ai des messages. Alors, Patou, Brossard. Qu'est-ce qu'elle a, ma Patou? 1er mai. Ah ben, il y en a qui, hein? Le jour de la fête du travail. Alors. Et ta question, c'est un message spirituel. C'est quoi un message spirituel, ma chérie? Un message de tes guides, c'est ça? Pas de souci, Sophie. Pas de souci, Sophie. Kayani, on te montre à moi être sur des roulettes, mais tu freines, comme si tu avais peur d'avancer. Donc c'est pour ça on te dit avance, avance, avance. Alors, Aranska, tu parles d'un. Je suis désolée si j'écorche ton pseudo. Un message pour moi comme ça, c'est pas assez. Il faut que tu me donnes une date de naissance et que tu sois plus précise. D'accord? Alors, coucou Aurélie. Oui, donc message de tes guides, Patou. Pourquoi on te montre à moi à l'arrêt? On te montre à moi à l'arrêt, Patou. Comme si tu croyais plus en toi. C'est quoi ça? Enfin, en eux, en l'occurrence. Qu'est-ce que c'est que ça qu'on me dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Comme si tu avais arrêté tes activités spirituelles. C'est quoi ça? Alors, tu peux me dire, Patou? Arante ça, Arante ça. J'ai du mal à comment dirais-je? J'écorche ton pseudo, je suis désolée. Coucou Mata. C'est bizarre que vous me posiez des questions comme ça sur vos guides. Que les réponses, c'est vous qui devez les avoir, c'est pas moi pour vous. Mais je vais faire quand même. Donc pas tout, j'ai besoin de réponses, ma chérie. On te montre à moi comme si tu avais arrêté des choses, comme si tu ne croyais plus. Qu'est-ce que c'est que ça qu'on me dit? Non, Séverine, tu m'as posé la question pour ta grand-mère. Donc c'est une question. Tricheuse. D'accord, tu as un blocage. On me dit alors qu'est-ce que c'est que ça, ma Patou? D'accord? Si vous voulez plus de réponses, il faut prendre un rendez-vous.
Mais il faut attendre parce que ça sera février, deuxième quinzaine. Alors, Patou, il faut que tu reprennes tes activités spirituelles. Il faut pas que tu... Alors, peut-être que tu te sens bloqué, ou peut-être que là-haut, ils ont bloqué pour que tu puisses te ressourcer. Mais j'ai l'impression que ça vient de toi. C'est bizarre. Pas d'eux, en tout cas. J'ai vu ta question, Aline. D'accord? Mais comme je t'ai fait une consulte cette semaine, tu passeras pas en priorité, ma chérie. Je ne sais pas comment débloquer. Il faut que tu ouvres tes chakras, ma chérie, hein, comme on dit, hein, ouverture des chakras. J'ai ton chakra racine qui est bloqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Au niveau de matériel, du matériel, pas tout. C'est ton chakra sacré. Oh, ton chakra racine qui est bloqué. Pourtant, je dis sacré. Donc, il y a peut-être les deux. Maria, il faut que tu m'envoies la photo de maman. Pas tout. Ça vibre pas au niveau de ta racine et ton sacré. Sacré, c'est féminin, hein. Tu crois plus? Ouais, j'ai un blocage au niveau matériel et au niveau créativité. J'ai quelque chose de. Ou je verrai plus tard, Aline, peut-être, hein. D'accord? Ben, je l'ai eu le message, mais tu n'étais pas connectée, ma chérie. Cindy. Donc tu l'auras après. Ouais, je vois les deux chakras de bloqués. Alors je dis les deux parce qu'à chaque fois je disais sacré et je voulais dire racine. Donc, mais il y a peut-être un blocage matériel. Matériel. Bisous, ma collecte. Ouais, on remonte ton chakra complètement, tu vois, comme s'il n'était pas. Comment? Comme s'il n'était pas arrosé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pas de soucis, Cindy. Alors. Donc. Mireille. Fabricie. On m'envoie de la senteur de l'encens. C'est quoi ça? 3, 4 et 2, 6 et 6. Une belle année pour toi qui va arriver là. Enfin, t'es dedans déjà, mais après, t'as du plaisir qui arrive. J'ai de l'encens. J'ai de l'encens sur toi. C'est comme si tes guides, ils te purifiaient. J'ai du nettoyage sur toi. Alors. Ah, c'est fou, il y a du blocage partout là. Vous êtes tous bloqués ou quoi là? Bah, débloquez-vous. Arancha. D'accord, c'est mieux. Un soin, pas tout. Fais-toi faire un soin. Pour tes chakras. Non, ma coco, je te l'ai dit, hein. Je t'ai répondu. Mireille, c'est pareil, il y a du blocage. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui me montre? Alors, je ne sais pas si vous regardez la télé ou c'est comme si vos vibrations étaient basses. Et j'ai du blocage automatiquement. Et on te montre à moi comme si il te coucounait pour te protéger. J'ai des choses. Comment dirais-je? Comme s'il y a des gens qui n'étaient pas sympas avec toi, Mireille.
C'est quoi ça? Ouais, des gens qui n'étaient pas sympas avec toi et... Est-ce que tu as une gastro aussi? Parce que j'ai mal au bide. J'ai un rototo qui remonte. Pardon, j'ai fait ce rototo, c'est pas bien. J'ai de la gastro et j'ai quelque chose comme s'il y a des gens qui n'étaient pas gentils avec toi. Et donc on te demande, en gros, de réagir. Tu dois réagir, Mireille. D'accord? Alors, Arancha, c'était quoi ta question, Arancha, d'ailleurs? Et ta question, Arancha, c'est quoi? Quelle est ta question? Merci. Alors oui, j'ai des... Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je relis les trucs. Hein. Enfin, les... Je parle mal ce soir, moi ça va pas du tout. Alors, mais posez-moi des vraies questions, les filles. Est-ce que j'ai un message? C'est trop vague pour moi. C'est comme si vous envoyez une enveloppe sans adresse. Voilà. Ben, l'enveloppe, elle va aller où? C'est trop. Soyez plus. Aidez-moi, s'il vous plaît. Sinon, il faut que je me connecte à fond et ça, c'est plus difficile. Pareil, Arantxa, posez-moi une vraie question. Côté cœur, voilà, ça c'est plus précis. Arantxa. Ben, écoute, t'es dans une année 2. Donc le 2, c'est l'affect, hein, c'est l'union. Mais on te montre à moi à reculer, comme si tu n'étais pas prête. Comme si tu ne voulais pas t'engager non plus. En fin de compte, c'est comme si tu étais les fesses entre deux chaises. Un coup, ouais, et un coup, oh, je suis bien toute seule. Tu vois, c'est même pas à reculons, c'est comme si on te faisait avancer et toi tu crispais tes pieds pour pas avancer. Tu traînes des pieds en arrière. Comme si quelqu'un voulait t'embarquer dans une relation et toi tu te retiens. Mais tu es en année 2, donc le 2 c'est la fête, c'est l'union. C'est l'union dans tous les sens du terme, hein. C'est de l'association aussi. Si voilà, je vois un coup oui, un coup non. Arantxa. Voilà. Bon, Mireille, je ne sais pas si tu as entendu. Alors, Stéphanie, qu'est-ce qu'elle veut, Steph? Alors, vais bientôt changer de lieu de vie. Merci. Pas maintenant, Steph. Il te faut être patiente. On me dit que c'est pas le moment, Stéphanie, pour le... Je t'en prie, Arantxa. On me dit que c'est pas le moment pour toi. En tout cas, pas. Ça sera plus l'année prochaine. Enfin. Fin d'année 2022 et plus sur l'année 2023 que ça va se faire, mais ça va prendre du temps. Voilà. Tu vas être en colère, parce que
que ça ne va pas aller assez vite pour toi. Mais pas maintenant, en tout cas. Alors, Corinne. Corinne. Est opéré de l'épaule droite en descend et suis encore au centre de rééducation. Y a-t-il un message derrière cette pause forcée? Il y a toujours des messages. Alors Corinne, tant que tu n'auras pas compris que tu en prends trop de charge, on te laissera bloquer. Il te faut de la légèreté dans ta vie. Tu prends tout à bras le corps. Tu prends les problèmes de tout le monde. Tu peux pas sauver le monde, Corinne, me dit-on. C'est comme si tu te chargeais des fardeaux de tout le monde. Tant que tu n'auras pas compris que tu ne peux pas et que tu ne dois pas, on te bloquera. Alors c'est pas méchant, c'est pour toi, d'accord? Et c'est bizarre parce que c'est comme si aussi toi tu retenais ta douleur, enfin ton handicap momentané. On me montre de la peur. On me montre de la peur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, cette peur-là? Est-ce que tu as peur de reprendre le travail? Qu'est-ce que c'est que cette peur? Je t'en prie, Sandrine. Gégé, faut que, Géraldine, faut que tu me donnes ta date de naissance. Ah oui, vous avez raison, il y a des, c'est marqué, il y a des pertes de signal. Mais je reviens à chaque fois, vous voyez? Alors. Donc, t'as entendu, très bien. Alors, en plus, Mireille, t'as pas eu de gastro, parce que j'ai un rototo, alors fais attention à la gastro. Mais, en tout cas, j'ai des choses négatives autour de toi, Mimi, Mireille. D'accord, donc t'as peur de reprendre le travail, Corinne, c'est ça? Alors, 20 septembre. Donc, arrête de porter le. Séverine, je ne répondrai pas à ta question. Tu m'as envoyé la photo de ta grand-mère, ma chérie. D'accord? Non de là, non de là. Bisous, Carrie. C'est ça aussi qui te retient, Corinne. La peur. Et les fardeaux que tu prends de tout le monde. On va t'appeler Macha. Non, c'était pas Macha. Tu sais, la radio où tout le monde se confie à la personne. Tu ferais bien assistante sociale, toi, hein? Mère Teresa. Alors, Sandra Nacto. C'était quoi, Sandra, au fait? Côté travail. 369. Donc si tu bosses aujourd'hui, tu resteras à ton boulot. N'entame pas quelque chose. Par contre, si tu étais dans la recherche de quelque chose, là, 2022, ça va aboutir. Pourquoi on te montre à moi avec un plateau? C'est quoi ça? Sandra, Nacto, j'ai un plateau. C'est quoi? Séverine, il y a eu un bug. Lol. Sandra, bisous coco. Sandra Nacton, on te montre à moi avec un plateau et j'ai un verre dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es serveuse ou tu travailles dans un resto? J'ai un plateau avec un verre dessus. Et on te montre à moi, ouais, un marché. Ouais, bizarre, j'ai la restauration sur toi. C'est bizarre. Alors je te crois, Séverine. Et tu m'as envoyé la photo de ta mamie, ma chérie, hein.
a dit Daniel. Alors, Sandra, est-ce qu'elle est encore là ou elle est partie? Ouais, j'ai du service. Ou tu reçois du bon parce que tu fais le service? Les 9, 11 et 6, 17. Belle année pour toi qu'arrive, Géraldine. Alors, pourquoi j'ai du service pour toi, Sandra? Je fais les deux en même temps, Géraldine et Sandra. Parce que j'ai recommencé sur Géraldine. Belle année pour elle. Sandra, tu me diras, ma chérie. Alors, j'ai de la. Tu veux acheter, Géraldine? De l'IMO? J'ai de l'achat là pour toi. J'ai de la signature chez le notaire. Alors, j'ai quand même quelqu'un autour de toi, Géraldine. J'ai ou une amitié forte avec un jeune homme. Et donc, ça dépote chez toi. Hein? D'accord, tu es déjà proprio. Bah, je sais pas pourquoi on me montre un achat là pour toi. Ou on te montre à moi à passer chez le notaire. Hop là. Vous me voyez plus là? Si. Parce qu'il s'est éteint lui. Ah. Écoute, Gégé, on te montre à moi à passer chez le notaire et j'ai un jeune homme qui arrive là. Enfin, une relation. Est-ce qu'il va y avoir un achat en commun? Je ne sais pas. Ah, c'est une nouvelle voiture? Ah, mais j'ai ces jeunes hommes, moi. Non, j'ai quelque chose à deux qui se fait. Et ça va très vite. Ça va très vite. Et on me dit, il serait peut-être temps. Tu sais, les coups de foudre, ça existe. Hein. Ouais, j'ai un blondinet. Enfin, je dis blondinet, parce que, mais il a les cheveux très ras, très courts. Mais il y a du blond. J'ai ça pour toi. Alors, Sandra Nacto, faut que tu me répondes. Enfin, non, t'es pas obligé. Alors. Je suis preneuse du jeune homme, bah tu m'étonnes. Il est pas mal, hein. Ouais, il a du blond. J'ai quelque chose qui se fait très vite, Géraldine, c'est bizarre, hein. Comme si tu voulais rattraper tout le retard, enfin retard, c'est pas du retard, mais voilà, du temps perdu. Alors. Je remonte, hein, parce que là, je peux voir les commentaires. Alors, Cindy, le message que j'ai eu pour toi. Le message que j'ai eu pour toi. Alors, accroche-toi. Vous, les incarnés, vous voulez nous entendre, mais quand on vous parle, vous n'entendez pas. Nous sommes toujours à vos côtés. La force que vous avez d'agir, vous pensez qu'elle vient d'où? Vos actes, nous vous donnons des coups de pouce. Oui, invisibles pour vous, mais c'est nous. Alors ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur. Voilà pour toi. C'était tes guides. Alors.
Donc. Ah, je sais pas, Arantxa. Mais peut-être que tu la connais et qu'elle veut et que toi, voilà, on te montre vraiment à y aller à reculons. Comme si c'était peut-être trop rapide pour toi. Bisous, Sandrine. Alors. Audrey, pas assez d'infos, changement dans le travail, j'ai pas ta date de naissance, ma bichette. Alors. Beaucoup de travail. Je comprends pas, Sandra. Ah bah super. Oh bah il y a du signal qui part, hein. C'est fou ça. Bisous ma coco. Coucou, beaucoup de travail. Je comprends pas ta phrase, Sandra. Alors, oui, mais côté travail, Sandra, j'ai bien noté, mais on te montrera à moi avec un plateau et un verre. C'est quoi ça? Alors, je répète, Sandra, on t'a montré à moi avec un plateau, avec un verre. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? La madame, elle te demande. Alors, est-ce que c'est dans la restauration ou barwoman? Un plateau avec un verre. Ou t'as du monde qui va venir chez toi? Je sais pas du tout. Et tu recherches dans la restauration ou pas? C'est quoi ce plateau avec un verre? Ah bah oui, aucun rapport avec la choucroute. Alors c'est quoi ça? Un plateau avec un verre, comment on peut interpréter ça? En tout cas, beau métier. Bisous, Cindy. J'ai un plateau avec un verre. Ah, bah attends, si. Les aides-soignantes, vous amenez. Alors, c'est peut-être pas le plateau de la restauration, mais vous amenez des trucs à vos malades, tu sais? Alors c'est plutôt des plateaux comme ça que vous amenez montrer un plateau avec un verre dessus où tu amènes les médicaments aux patients. C'est ça? Mais bizarre ce qu'on m'a montré. C'était pas un plateau comme ça, c'est un plateau rond que j'avais avec un verre. Où tu vas rencontrer quelqu'un dans un pub ou un truc comme ça. Tu me poses la question côté travail et moi j'ai une relation qui arrive. Où tu dois sortir, comme je te disais, où tu vas recevoir du monde, où tu sors là demain, boire un coup avec des cops et on insiste sur le plateau. T'es aide-soignante mais non vaccinée, c'est ça? Voilà, du Covid. Bisous ma chère Aline. Je suis bloquée avec toi, Sandra. Je reviendrai après parce que je suis bloquée avec toi. T'es pas vaccinée, donc t'as plus de boulot en ce moment, c'est ça? Mystère. Ouais. Je sais pas. On m'a montré un plateau avec un verre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors des fois, il m'envoie des images comme ça. Écoute, pour l'instant, je passe à autre chose. Parce qu'après, si je me mets à chercher, je vais être en mental, c'est pas bon. Audrey. Audrey. Six, quatre.
Donc, est-ce que ton l'hôpital, le centre hospitalier Authée est à côté d'un café? Alors, Audrey, Pierron. Où se dit qu'elle est Audrey? Parce que j'ai pas noté la question, évidemment. Alors, Audrey, Pierron, je suis née le. Et tu m'avais demandé quoi? Alors, faut que je retourne. Changement dans le travail. Non, Audrey. En tout cas, pas 2022. J'ai pas de changement pour 2020. Enfin, par rapport à la numérologie, 2022, non. Parce que tu es en année, si c'est 4, 10 et 6, 16, tu es en année 7. Donc c'est mental et spirituel. Donc plus 2023, début 2023, un changement possible parce que tu seras en année 8. Est-ce que tu as vraiment envie de changer? Pareil, c'est un coup oui, un coup non. Voilà, on te montre à moi. Une fesse sur une chaise et l'autre fesse sur une autre chaise. Ou alors t'hésites sur un poste. Tu sais pas quel poste prendre. Parce que j'ai beaucoup d'hésitations sur toi. Alors. Ouais, Audrey, j'ai beaucoup d'hésitations. On me montre plusieurs pistes. En tout cas, pas de changement là pour 2022. Hein. Ça va être une année où tu vas. Alors, calme ça surtout. C'est important. Il y a des choses que tu n'as pas digérées, Audrey. Est-ce qu'il y a une promotion qui t'est passée sous le nez? Et que tu voudrais changer de travail à cause de ça, mais quelque chose que tu n'as pas digéré. Alors. Alors Maria, tu m'as envoyé la photo. D'accord. Mais me. Ah ben voilà. Me lancer, tu veux dire. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de 2023 pour toi. D'accord? Attends plutôt 2023, tu seras en année 8, une année concrète. Et 2023, ça y est, on sera derrière tout ça. Enfin, plus que maintenant. 2022, on est encore en plein dedans. D'accord? Le libéral, de toute façon, libéral, c'est pareil, si tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas. Hein. Enfin, je pense pas. Peut-être que 2023, ça sera mieux. Mais voilà, 2022 reste cool. D'accord? Voilà. C'est en. Ou en lien avec mon papa. C'est-à-dire, c'est en lien avec ton papa. Que si tu es en libéral, tu seras trop prise par le libéral par rapport à ton papa, c'est ça? En tout cas, 2022, tu bouges pas. Enfin, après, libre arbitre, tu fais ce que tu veux, d'accord? Mais vaut mieux attendre 2023. C'est beaucoup mieux pour toi, d'accord? J'ai pas compris le lien avec ton papa, mais c'est pas grave. C'est pas là la question. Voilà. 2022 reste cool. Voilà. Alors. Alors attends, parce que j'ai. Il faut que je sorte de là. Message. Maria. Alors, ta maman. Oh la vache, comment tu lui ressembles. Dis donc, elle était grande, ta maman.
Maria. Alors, je surveille, qu'elle me dit. Je surveille et je veille. J'ai de la fumée. Non, c'est pas de la fumée. Si, c'est de la fumée. Non, c'est des vapeurs de cuisine. Vapeurs de cuisine, parce que. Elle se montre à moi cuisiner encore. Pour la famille, qu'elle dit. Pour la famille. J'ai des douleurs au ventre, enfin en dessous les poumons, enfin au niveau des intestins, douleurs intestins. Elle était partie de quoi, ta mère, Maria? Elle est partie de quoi, Maria, ta mère? J'ai mal aux intestins. Ouais, elle est partie de quoi, ta maman? Elle me dit qu'elle veille sur la famille. Elle n'est pas encore loin, hein. Elle n'est pas encore montée vraiment dans la lumière. AVC. D'accord. J'ai mal aux intestins. Bisous Amélie, je t'en prie. Elle me dit qu'elle avait des soucis aux intestins. Elle est encore là-bas, elle, hein. Elle est là, elle est. Elle me dit qu'elle est du côté de la famille là-bas. Mais c'est bizarre. Elle était en France, ta maman, Maria? Ben là, elle n'est pas triste, là. Elle veille. Elle veille, mais elle est songeuse. Parce qu'elle se montre à moi sérieux. Tu vois? Elle a l'air très, très sérieux. C'est comme si. Il fallait qu'elle fasse attention à la famille, comme si c'était important. Tu savais pas quoi, ma chérie? Je la vois entre deux. Elle me dit, ils sont tous éparpillés. Donc, elle doit parler de la famille. Ils sont tous éparpillés. C'est comme si elle faisait en sorte de regrouper toute la famille. Bon, elle peut, hein, de toute façon, d'où elle est. Qu'est-ce qu'elle me montre là? Canne à sucre, mais c'est au Brésil qu'il y a la montagne du canne à sucre là? Non, si, je sais pas. Tu sais le gros rocher là? Oh, j'ai plein de vibrations là. Plein de. Elle me. Ah, dis donc. Elle veut rejoindre la Vierge Marie. Elle était croyante, ta maman? Ah ben, voilà. D'accord. D'accord. Elle fait tout pour rejoindre la Vierge Marie. Alors, elle est en train de monter en vibration, mais c'est pas encore ça. Elle n'est pas encore haute.
Elle est partie il n'y a pas longtemps, ta maman. Mais c'est pour ça qu'elle fait ça. Elle veut tous vous prendre. Mais il n'y a pas que ses enfants. Et elle parle de la famille au plus grand. Enfin, tu vois. Les arrières, arrière, les tontons et les cousins. Elle veut regrouper tout le monde pour pouvoir protéger tout le monde. Maintenant, elle peut le faire d'où elle est. Elle est très soucieuse pour sa famille. Alors, elle me parle de patience pour toi aussi. Bon, il y a quelque chose, j'ai plein de rototos là. Elle devait avoir des problèmes avec ses intestins parce que j'ai plein de ou son foie, je ne sais pas, il y a quelque chose. Elle me dit qu'il faudra faut que tu sois patiente aussi, 2014 pourtant. Pourquoi tu dois être patiente, toi? Elle me parle de patience pour toi. Parce que ça va pas vite, comme toi tu voudrais que ça soit vite, tu vois. Alors, elle me montre un taxi. Tu pars quelque part là? Elle te montre à moi à monter dans un taxi. Pourquoi un taxi? Pourquoi elle me montre ça? Alors, c'est un taxi, mais c'est pas un taxi français, c'est un taxi anglais. Tu veux partir en Angleterre en voyage? Elle me montre un taxi anglais. Alors peut-être, tu veux partir en Angleterre. Un petit périple anglais. Pas maintenant, mais en tout cas, elle me montre un taxi anglais. Et elle me dit de te dire d'être patiente. Tu vas y arriver. Note l'Angleterre hein, quand même. Elle m'a montré le taxi anglais. Tu vas y arriver. Et tes fils aussi. Bravo. Bravo, tu repasses ton permis, bravo. Mais là, le taxi anglais, c'est vraiment un départ, une petite balade sans doute en Angleterre, hein. Parce que vraiment, je l'ai vu, ce taxi anglais. Ouais, et on me montre des bus rouges. Il y a peut-être, je sais pas quand, mais il y a peut-être un petit voyage en Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'il y a par rapport à tes fils aussi? Elle protège les petits, elle me dit. Je protège les petits. En parlant de tes fils. Peut-être un week-end, ouais. Ah bah tu vois, cool. En fin de compte, elle est au Brésil et elle est en France. Donc sans doute pour ben, vous protéger, toi et tes enfants. Et puis, tu feras attention à ton dos, parce qu'elle me fait mal au dos, une hernie. D'accord? Comment? J'ai le Brésil aussi. Elle me dit que si tu as encore de la famille, mais très très loin, enfin, ou des cousins éloignés, tout ça, parce que c'est comme si elle faisait le grand écart, enfin, façon de parler, pour protéger la famille là-bas. Et les plus démunis, elle me dit. Les plus démunis. Elle va bien, elle, hein? Elle va bien. Elle est douce en... Non, pas de la douceur. Quand elle parle, elle est... C'est en douceur, mais c'est comme si elle se... Enfin, comme si elle était timide, tu vois? Oh, bah quand même. Extraordinaire. Quand même pas, je vais me la péter après. Voilà pour toi, Maria. Il faut que je revienne sur Sandra. T'es là, Sandra, encore ou pas? Parce qu'il y a un truc qui me bloque avec toi. Nacto.
Sandra. Alors, Sandra Lacto. Yes. Faut que je revienne sur toi parce que ça me travaille, ça, j'arrive pas. Plateau de verre. Est-ce que tu vas aller boire un coup avec des potes? Ok. Bah, tu fais attention à ton dos, hein, Maria. Que j'ai ma hernie à droite, L4-L5, qui me titille. Sandra, alors. C'est eux qui me permettent d'avoir des messages. Il n'y a pas de. Enfin, ça me fait plaisir ce que vous dites, hein. Il n'y a pas de souci. Tu veux pas aller boire un coup? Alors pourquoi on m'a montré ce plateau avec un verre dessus? Bon, tu vas noter, Sandra. Je ne sais pas ce que c'est, ce plateau rond avec un verre dessus. Tu veux pas rencontrer, t'as quelqu'un dans ta vie déjà? Tu vas rencontrer un barman quelque part parce que ça insiste sur le plateau avec le verre. Bah, calme-toi un peu, Maria. Alors. Donc, à droite. Moi, j'ai mal à droite pour toi, Maria. Sandra. Alors. Pour 2022, Sandra, professionnellement, tu ne tentes rien. Parce que tu es en année 9. Sauf si tu as fait quelque chose. Comment dirais-je, avant, si tu avais, comment dirais-je, fait des démarches pour avoir un poste ou quelque chose comme ça, fais-le, d'accord? Là, ça risque de se concrétiser en 2022. Si tu n'as rien commencé, ne tente rien parce que tu es en année 9 et le 9, c'est fin de bilan, d'accord? Donc, fin de bilan, ça veut dire on fait du tri. On fait du rangement, on fait du tri autour de nous. Par contre, 2023 est une excellente année pour toi, Sandra, parce que tu seras en année 1, donc démarrage. C'est pour ça que si tu n'as rien tenté jusqu'à présent, tu n'as fait aucune démarche, ne fais rien pour 2022. Par contre, 2023, tu peux avoir, d'accord? Parce que tu es en année 1, démarrage puissance, ok? Professionnellement, j'entends. En gros, c'est comme pour Audrey aussi. Hein. Non, c'était pas Audrey. C'était qui? Je sais plus. J'en perds mon latin. Oh, vous êtes adorable de m'envoyer des compliments comme ça. Alors. Alors, qui c'est qui avait posé des questions? Sandra, tu me répondras si tu veux bien. Alors, je peux me tromper, hein. La preuve, c'est que Sandra, j'ai un blocage. Alors, peut-être qu'on ne veut pas me donner non plus, hein, des fois, hein. Alors, qui est-ce qui avait posé des questions? Ah, c'était Audrey, ouais, pour le boulot. Alors. Saïda, elle est toujours là ou pas? Mais Saïda, je t'ai répondu déjà. Kalyani, aussi. Alors, ton papa. Aline. Aline, est-ce que c'est le papa que j'ai vu l'autre fois ou pas? Parce que je trouve qu'il lui ressemble. Celui que je voyais lors de la consultation. Est-ce que tu es encore là, Aline? Pour qu'elle revienne. C'est le monsieur que je voyais l'autre fois. Il commence à se faire tard. Ah oui, quand même, 11 h, t'as raison. Bah, attends, j'en fais encore. Alors, c'est qui ce monsieur Aline? Saïda, c'est toi, Pomme. Ouais, Saïda, je t'ai répondu. Donc, Pomme-Pomme, il attendra. D'accord? Ton vrai papa, ton géniteur. Eh bien, je trouve qu'il ressemble quand même au monsieur que j'avais l'autre fois. C'est bizarre. Alors, Aline. J'avais les mêmes vibrations.
Non, 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 non. Parce que le monsieur que j'avais l'autre fois, il avait beaucoup de regrets. Alors, je verrai Saïda pour le chien, d'accord? Ouais, t'avais posé une question, Yannick, mais tu vois, je réponds à d'autres aussi. Alors, attends. Aline. Comment tu l'as appelé? Ton papa? Non, c'est pas grave. Alors. Alors. Mais. Il me parle de Thaïlande lui aussi. Il habite en Thaïlande, ton papa aussi? Pourquoi il me parle de Thaïlande lui? Yves. Alors. Bisous Saïda. Il y a bossé. D'accord, ok. Est-ce que je voyais faire un aller-retour? Enfin, un passage, je veux dire. Alors. Il me parle d'autres enfants. Il me dit j'avais d'autres enfants. Bisous Céline. Ah oui, t'es né au Laos, c'est vrai. Voyez donc, la mémoire. Papa. Je vois dans le commerce le papa. Représentant, voilà. Représentant. D'accord. Il me dit, je ne suis pas fière de moi. D'accord. J'ai fait des bêtises. Et je m'en excuse. Ah, donc ça veut dire que tu l'avais pas vu. Il n'a pas eu le temps de s'excuser. Il te présente ses excuses, ton papa. Qu'est-ce qu'il me raconte? Dis-moi, non, il n'a pas pu. D'accord, ok. Donc il le fait maintenant, d'accord, Aline? Il te présente ses excuses maintenant. Eh ben, écoute, ça a l'air d'aller, mais. C'est comme s'il était retourné en Thaïlande. Comme s'il avait, il devait terminer quelque chose là-bas, tu vois. C'est bizarre ce qu'il montre du monde là-bas, faisant partie de ta famille encore. Son âme, elle est vraiment en Thaïlande. Enfin, il y a beaucoup de vibrations là-bas. Ouais, il me dit qu'il doit terminer quelque chose qui n'a pas terminé là, tu vois. Il n'est pas passé à autre chose pour l'instant. Dans le sens où c'est comme s'il protégeait. Comment dirais-je? Qu'il protégeait du monde là-bas. Et ça fait partie de sa mission. Toi, essaie que tu t'en sors bien, que tu t'en es bien sorti. Mais il faut que tu saches qu'il te présente ses excuses, d'accord? C'est important que tu l'entendes. Et je me demande d'ailleurs si tu l'as pas entendu déjà, ma chérie, d'accord? Il te présente ses excuses. Et ça va lui permettre, d'accord? De monter en vibration.
Qu'est-ce qu'il montre? Il monte comme un Bouddha ou... Non, c'est déjà un éléphant. Il me dit que malgré tout, il te soutient dans tes projets. D'accord? Ça lui fait du bien d'entendre ça. Je l'aime, mon papa. Ouais. Il y a des coupures de temps en temps. Il va bien, mais il est plus là-bas parce qu'il a des choses à terminer là-bas. Je pense que de par ton amour, il va pouvoir évoluer aussi et que tu acceptes son pardon. Tu vois? Il se montre à moi sur une pirogue, c'est bizarre. Ouais. Mais il va bien, hein? C'est cool, hein? Alors, voilà pour toi, Aline. Il est reparti. Alors, tiens, Brigitte, coucou. Alors, ça donne des frissons. Quatre, six et six, douze. C'est bizarre parce qu'on montre beaucoup de blocages hein, pour 2022 pour tout le monde, hein, je trouve. C'est bizarre. Bah, merci pour lui parce qu'il va pouvoir évoluer. C'est génial. Alors, Mister Yannick Chevalier. Alors, Yannick. Alors, encore un blocage. Yannick Chevalier, j'ai encore un blocage, Yannick. Comment dirais-je? Tant que tu n'auras pas pris ta décision de ce que tu dois faire réellement, donc et on te pousse hein, à vraiment faire un choix, on t'envoie des messages, tu ne les reçois pas. Il me montre qu'il faut que tu te nettoies les oreilles. Nettoie-toi les oreilles comme ça. On me montre ça. En gros, il t'envoie des signes, une alarme, mais tu ne l'aperçois pas. Et en fin de compte, ils me disent de te dire, c'est parce que tu survoles les choses. C'est quoi ça? Tu survoles les choses, Yannick? Tu vas pas jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire, tu commences quelque chose et hop, tu fais autre chose. Et donc, tu n'arriveras pas à faire les choses correctement. J'ai du mal à m'exprimer. On t'envoie des signes, tu ne les entends pas. On me dit de te dire, mets-toi à fond dans quelque chose, mais ne fais pas deux choses en même temps. En tout cas, ce que j'entends, c'est que tu n'es pas prêt pour faire deux choses en même temps. Alors, prêt, je ne sais pas dans quel sens du terme ils veulent dire ça. C'est quoi, prêt? Dites-moi.
Voilà, j'entends, tu seras bon dans une matière. Comme si on était à l'école, tu seras pas bon dans toutes les matières, tu seras bon dans une matière. Il faut que tu fasses ton choix. Tant que toi, tu n'auras pas fait ton choix, ils ne pourront pas t'aider. Voilà ce que j'entends. Yannick, mais tu n'es plus là. T'es parti. Alors, ma Brigitte, c'était quoi? Évolution professionnelle, c'est ça? Est-ce que c'était ça au moins? Je sais plus. J'arrive pas à les voir. Qu'est-ce qui me dit ça? Bah parce que tu fais deux choses différentes, c'est pour ça. C'est les cartes pour toi. Oui, tu fais un choix, c'est. Enfin, moi ce que j'entends, c'est les cartes, pas les soins. D'accord? Après, libre arbitre, tu fais ce que tu veux, Yannick. Mais si tu te lances vraiment dans les cartes, tu entendras et tu y arriveras. Ok? Alors. Ok, je verrai Gwen. Gwendoline. Attends, je te réponds à Brigitte déjà, mais il faut que je retrouve le truc. Brigitte. Jacqueline à Paimpol. Coucou. Il est jamais trop tard. D'accord. Faut que tu me donnes plus d'infos, Jacqueline, sur ta position. Parce qu'en plus, je ne te connais pas, ma chérie. Attends. Brigitte, c'était quoi ta question? Ton évolution professionnelle? Dis-moi, Brigitte. Alors, Brigitte, ton évolution? En fin de compte, j'ai pas envie d'arrêter. Je suis bien là-dedans. Je suis bien là. Mais on restera peut-être pas jusqu'à minuit quand même, hein. Il se fait tard après. Évolution, pro. Voilà. Merci, Brigitte. Alors. Ouais, toi, j'ai du blocage. Hein. 2022, j'ai du blocage. Qu'est-ce que c'est que ce blocage pour 2022? C'est comme si ce que je ressens, c'est comme si la planète allait s'arrêter. C'est bizarre, hein? Cette sensation que j'ai. Et qu'il y a un nouveau truc qui allait se. Comme un portail qui allait s'ouvrir. C'est bizarre. A priori, j'ai pas d'évolution pour toi, Brigitte. Alors, tant mieux si je me trompe, mais j'ai rien. C'est comme si tu continuais, tu vois, ton petit bonhomme de chemin. D'accord. Alors, ce que j'entends, on me dit de te dire, continue sur ce petit bonhomme de chemin. Et ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider, mais pas maintenant. C'est comme si tu devais avoir de la matière complémentaire. Ouais, comme si tu devais apprendre encore des choses, et ça va venir, mais pas tout de suite. D'accord? Faut que tu sois patiente, mais surtout ne lâche rien. Bonne nuit Thomas! Pour 2022, j'ai pas. Mais s'il y a des choses, fais-le, hein. Moi, on me montre pas. Par contre, tu vas passer une année cool, une année de plaisir. Voilà, une année de plaisir. Alors, non, on n'aurait pu, mais j'aime bien. Ah bah si tu comprends, c'est bon, ma Brigitte. Alors, ouais, c'est une année spéciale. Je sais pas, ma Colette, ça va se faire très vite. Ouais, ça coupe, je suis désolée. Alors, attends, il y avait Gwen qui disait que pour le bébé. Qu'est-ce que je peux avoir pour gonfler comme un ballon? Ah ben, c'est peut-être parce que tu veux vraiment avoir un enfant. Ça peut être psychologique, ma chérie, hein. C'est le contraire du déni de grossesse, hein. Alors attends, Gwen, tu m'avais donné ta date de naissance ou pas? Alors, rappelle-moi ta date de naissance, ma Gwen.
Je t'en prie, Brigitte. Alors. Gwendoline, ta date de naissance, ma chérie? Gwendoline. Colette, s'il y a un truc de départ, là, vas-y, monte dans le train. Charrette, voilà. Le mot que je cherchais tout à l'heure, charrette. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le message du message, j'aime bien moi. Ouais, faut que tu me donnes ta date de naissance, ma Gwen. Est-ce que tu es là encore? Bon, elle est partie. Elle est partie, la dame. Elle est partie, elle est partie. Alors. Gwendoline, la petite coquine. Bon, alors, on va passer à quelqu'un d'autre, hein. Alors, s'il y avait. Mince. Jacqueline. Jacqueline. Paimpol. Ouais, j'aime ça. J'adore ça. Ça, quand je fais les consultes, j'adore. Alors, Jacqueline, tu découvres l'émission. D'accord. Donc, il faut que tu me donnes ta date de naissance. Et c'était quoi la question? Ah, bah, pardon, je l'ai. 5-5. Bravo, 5-5. 54, dis donc, t'aimes bien les 5, toi. Alors, ta situ. Ah oui, voilà, faut que tu me précises ta situation. Bon, pourquoi tu n'avais pas osé quand même? D'accord, ce qui me bloque pour prendre des décisions, je voudrais aller de l'avant. D'accord. Ah oui, donc tu aides financièrement, donc tu n'as plus de sous pour toi en gros, c'est ça, Jacqueline? 12, 11, 91, ok. Je fais deux en même temps. Hein. 12 juin 91. Alors, Jacqueline, 5 et 5, 10 et 6, 16. Alors, Jacqueline, tu vas être en année 7 en 2022. Ne tente rien. L'année 7, de rien, ma Colette. L'année 7, c'est mental et spirituel, c'est les deux. Et non, c'est bon, Sandra. C'est une question. Si tu veux quelque chose, tu prends rendez-vous pour une consulte. D'accord? Mais ça sera la deuxième semaine de la deuxième quinzaine de février maintenant. Parce que je suis complète. D'accord? Donc, Jacqueline, c'est 2022, ça va être encore beaucoup de prise de tête pour toi, d'accord? Par contre, 2023, ça sera une année concrète et tu vas pouvoir aller de l'avant. Tu seras en année 8. Hein. Année 8, c'est concrète. Alors, attends, Jacqueline. Et j'ai en 2023, il y a plein de choses qui vont se débloquer. J'ai du voyage pour toi. Tu peux même voir, peut te lancer toi financièrement dans un achat d'une résidence secondaire ou quelque chose comme ça. Voilà, 2022, n'espère pas. Voilà. Bon, en tout cas, ne rentre pas trop dans le mental parce que sinon, c'est la petite souris, tu sais, dans le petit mulot là, dans sa roulette. Donc, essaie de, voilà, fais confiance aussi à là-haut. Parce que là, on montre que tu as perdu les pédales. Comme si tu étais sous l'eau et que tu n'arrivais plus à reprendre de ton air. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu souffles. Sache que de toute façon, on est protégé, on est entouré, donc tu n'as rien à craindre. Mais là, 2023, ça, faut que tu sois patiente. Ouais, pour 2022, faut que tu sois patiente. D'accord? Mais
Vers janvier 2023, enfin début d'année 2023, tu vas voir, tu vois, on me montre plein de nuages, comme si c'était très nuageux, des nuages gris, et hop, ça se lève. Donc ça va se débloquer, tu vas voir le soleil, d'accord? Donc, aie confiance, ok? Ouais, il faut que tu aies confiance, Jacqueline. Alors, Gwen. 1 et 2, 3 et 6, 9. 9 et 6, 15. Ah! Ben, 2022, c'est du 6, hein, pour toi. Le 6, c'est le fœtus, ma chérie. Alors, est-ce que je le vois, ce bébé, moi? En tout cas, le 6, c'est le fœtus, hein. Alors, quand tu me dis que ton pendule te dit oui, c'est peut-être parce que toi, tu veux vraiment un enfant. Donc, tu vois, des fois, c'est la suite, hein. Le pendule, c'est la suite de notre bras, hein. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on te dit que tu vas avoir un enfant. Mais, t'as la frousse? T'as la frousse d'avoir un bébé, Gwendo? Arrête! Alors. Qu'est-ce qu'on me donne pour toi, Gwendoline? Septembre. J'ai le mois de septembre. Ben si, tu vois. Peut-être que tu vas l'avoir, ton bidou. Mais plus sur 2023. On me parle du mois de septembre. Peut-être que tu vas tomber enceinte en septembre. Là, on est quoi là? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ah, ça fait 8 mois, remarque. Bizarre. Alors, soit tu tombes enceinte maintenant et c'est pour septembre, soit tu tombes, enfin septembre-octobre, soit tu tombes enceinte en septembre. Mais 2022, si tu tombes enceinte en septembre, ça sera pour 2023. Mais l'année 2022, c'est du bidou, hein? D'accord? T'as pas la frousse. Il y a quand même quelque chose qui te retient. Mais justement, je veux pas. Tu veux pas quoi? Un bébé? Bah écoute, tu rentres en année. Un mois. Ah bah écoute, septembre, c'est ça alors? Cool! On parle de septembre. Alors, soit tu tombes enceinte en septembre, soit tu vas avoir ton bébé en septembre. Mais tu me dis que les tests ils sont négatifs. T'as fait une prise de sang? Là, tu vas rentrer en année 6. Donc l'année 6, c'est du bidou. C'est du bon, du bien, du beau. Il y a quand même quelque chose qui te retient, c'est quoi? Et la prise de sang aussi, elle dit non. Bah peut-être que quand tu l'as faite, ma chérie, c'était trop tôt. Alors, moi, on ne me montre pas de couleur, d'accord? En général, on me montre du rose ou du bleu. Pour les enfants. Mais on parle du mois de septembre. Alors qu'est-ce que c'est que septembre? Peur que ce soit une fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben sois patiente, ma Jacqueline. Ouais, faut que tu sois patiente. T'inquiète pas, d'accord? Gwen, on me parle de septembre. Tu rentres en année 6. Si c'est le fœtus, c'est des projets qui se concrétisent. Donc, Inch'Allah. Ok? Ah. Et principal, c'est que les enfants ils soient en pleine forme, non? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton homme qui devrait souffrir plutôt que toi. Donc, c'est ça aussi, hein. Principal, c'est qu'ils soient en pleine santé, tes enfants, non?
Tu t'occuperas de tes petits-enfants et de tes petits-fils. Peur d'avoir une fille, n'importe quoi. On entend tout, hein. On entend tout, hein. Ça va pas du tout, ça, hein. Et donc, ça y va chez les Guérin, hein. Quatre gosses, la vache. Mata, tu m'as pas posé de question, ma chérie. Tu t'es lancée, Mata, j'espère. J'ai du mal avec le Mata. Tu t'es lancée? Tu t'es mis à ton compte? Non, mais un garçon, c'est la maman. J'ai pas tout compris. Mata, est-ce que t'es là? Ma michette. Ah, pardon. Un conseil de mon guide, un peu perdu. Mais tu t'es lancée, toi, Mata. On te montre à moi à te lancer. Eh ben, c'est bien, un taux vibratoire très très haut, tu peux pas être perdu. C'est quoi ça? T'es auto-entrepreneur? Eh bien, c'est ça. Il faut que tu te lances. Tu sais pas quoi en faire, mais lance-toi, mets-toi à ton compte. Fais des consultes. Ah, t'as été embaumeuse, Mahata. Je te vois embaumer les morts. En Égypte. Waouh. C'est chouette, ça. Qu'est-ce que t'attends pour te lancer? Nom d'une pipe. Avec les capacités que tu as en plus. Lance-toi. Je te vois embaumeuse en Égypte. Passeuse d'âme, en plus. Il y en a plein qui rêvent d'avoir les capacités hyper ouvertes. Toi, tu les as. Ben, c'est ça, tu étais embaumeuse. Tu les as et tu fais rien pour. Lance-toi à ton compte. Ok? Mets-toi à ton compte. Ben, nettoie-toi, toi. Nettoie-toi, toi. Hein? Non, non, mais lance-toi, ma bichette, là. Il serait peut-être temps quand même. Quand même. Alors. Ben oui. Pourquoi oui, Yannick? Alors. As-tu des questions encore? Non? Mais des questions pour une première question. Eh ben, tu vois? L'Égypte. T'étais embaumeuse là-bas, ma chérie. C'est cool. Alors. Bon, bah vous faites la tête, alors j'ai plus de questions, je vais raccrocher, hein. Il n'y a plus de questions. Bah, c'était pas un rêve, hein. C'était une sortie astrale. Et tu as revu ton passé, une vie antérieure pour que tu puisses évoluer. C'est beau, ça. C'est magnifique. Bon, après, tu peux avoir le vertige, hein. D'accord? Gwen, matin pour Annie, Aniki. Tu m'avais demandé un message pour Annie? Aniki. Alors. Et ben voilà, matin.
Ben oui, mais j'ai plus de première question. Ben oui, je suis au chômage. Yannick, faut que tu te remettes en question pour avoir les capacités, ça se travaille. Comme tu les travailles pas, tu peux pas évoluer. En tout cas, faut que tu acceptes tes capacités dans les cartes, d'accord? Ami très proche. Ben, tu m'as pas envoyé la photo? Tu m'as envoyé la photo? Mata? J'ai du mal avec Mata, hein. Je préférais avant, je sais plus ce que c'était, mais je préférais avant. Mais bon. Ben non, mais donne-moi. En fin de compte, tu sais pas pour toi, t'es comme moi. T'arrives pas à savoir pour toi. Moi, je sais pas pour moi. J'arrive pas. Donc pour les consultations, ça sera la deuxième quinzaine de février. Parce que pour l'instant, le planning est plein. Alors, bon, bah écoutez. Je regarde si j'ai d'autres questions. Première question que j'aurais zappée. Il y a Patrick qui m'avait posé une question, mais il est reparti. Donc, moi veux bien. Ben ouais. Mais non, c'est qu'une question, Séverine. Je fais passer. Si tu veux une consulte, tu prends rendez-vous. Après, si je commence à donner une deuxième question à quelqu'un, bah après, voilà. Donc, vois-tu? Vous pouvez poser une question, parce que je fais aussi les consultes à une question. Donc évidemment, c'est pas 5, là, voilà. La question, c'est 50 euros. La consulte est à 50 euros. D'accord? La question est à 15 euros. Voilà. Mais je réponds qu'à une question. Voilà. Alors. Bon, super. Heureusement que tu m'en veux pas. Alors. Bon, bah écoutez, je vais raccrocher. Bon, après, il est 23h34 hein, quand même. Hein. Donc, il se fait un peu tard quand même. Hein. D'accord? Je vais vous faire des gros gros bisous. Je regarde même pas mon ordinateur. Je vais vous faire des gros gros bisous. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end. Sortez, allez vous promener dans la nature, c'est important. Il va faire beau et froid. Donc, ressourcez-vous auprès de la nature. C'est un conseil. D'accord? Je vais vous faire des gros gros bisous. Et puis, donc la première semaine de février, je ne serai pas là. Ou très peu souvent sur le groupe. D'accord? Ah bah super. J'espère que j'ai évolué, ouais. J'espère. Christelle qui arrive trop tard. Bisous Jacqueline. Christelle, t'arrives tard. Bon, alors attends, non, je pars pas tout de suite. Christelle, bah, faut que tu me donnes ta date de naissance, Christelle. Bisous, bisous. Attends, il y a Christelle. Attends, je raccroche après Christelle. De rien pour cette belle soirée. Christelle, tu m'envoies en MP ta date de naissance, d'accord? Je te répondrai, ok? Bon, si je raccroche et je répondrai en MP à Christelle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis see you soon, d'accord? Allez, bisous, bisous. Au revoir. Merci.